Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve enfin pour l'épisode 10 du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors je pense avoir trouvé la source de mes problèmes et avoir résolu ce qui me causait des crashs. J'avais plusieurs modes pour les boucles au terminus des lignes de bus ou de tram. Y en a un qui faisait planter le jeu au moment où on arrivait en 1920. Et puis là, vu qu'on est en 1918, à chaque fois que j'essayais de tourner l'épisode 10, ça plantait. Donc, voilà, j'ai isolé ce mode, j'ai remplacé toutes les boucles pour être sûr. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de plantage. Et si vous voyez cet épisode, c'est que j'ai réussi effectivement à le tourner sans plantage. Donc, c'est parti pour l'épisode 10. Alors, on est ici à Romorantin. Dans l'épisode 9, qui du coup remonte un petit peu, mais on va quand même se remémorer un peu ce qu'on avait fait. Donc on avait construit la ligne de Martigues jusqu'à 3, ici, qui au passage dessert Dinan. Alors entre les épisodes, j'ai rajouté une ligne de bus pour desservir un petit peu la ville de Dinan, qui dessert aussi Romorantin. Et donc Martigues. Et puis on a toujours notre ligne depuis Egbolsheim jusqu'à Romorantin qui a également été prolongée jusqu'à Martigues. Alors la ligne celle-ci, donc ce qui est prévu c'est qu'après elle continue jusqu'à Stein. Je sais pas encore trop comment je vais faire la gare à Stein, ni exactement comment on va sortir de Martigues pour aller vers Stein. Là c'est un petit peu contraint l'espace, il y a des champs, peut-être qu'il faudra en supprimer parce que là ça va être un peu compliqué autrement. Mais on va pas faire ça tout de suite. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je pense que la ligne qui vient de 3, il faut qu'elle aille jusqu'à Bourg-Saint-Andéol. Ça c'est quelque chose qui me paraît très important. Bourg-Saint-Andéol pour moi ça doit être un nœud important du réseau, donc aujourd'hui on va déjà commencer par faire ça. Puis ensuite on mettra un peu des transports publics dans les villes du parcours, histoire de booster un petit peu la fréquentation de cette ligne. Alors c'est parti, donc Bourg-Saint-Andéol. Alors on a un signal là, je pense qu'il va nous gêner, donc on va déjà le déplacer. On va le mettre avant le dépôt. Ah, on n'a plus d'argent. Bah on va réemprunter, j'avais quasiment tout remboursé mais c'est pas grave. Voilà, 4 millions, ça ira bien. Les signaux, voilà. Donc j'ai mis un signal là, on va supprimer celui-ci. Alors pour se raccorder, ce qu'on va faire, donc on prend des voies. Là on a déjà un X, donc pour l'instant je pense que tout ce qu'on va faire c'est qu'on va partir avec une voie unique comme ça. On fait un passage à niveau et puis là très rapidement on met la deuxième voie. Là on va essayer de... Non, on peut pas faire plus que 55. Ouais, bah 55. Et puis là on met la deuxième voie. Voilà. Le passage à niveau, ça va. Il est pas dégueulasse. Alors ensuite, comment on va passer? Donc là, on va essayer de passer à ras du champ sans le détruire. On va comme ça, par exemple. Et puis, il faut se raccorder là. Alors celui-là de champ, je pense qu'on n'aura pas trop le choix que de le supprimer. On fait un virage à 100, et puis dans l'autre sens, on garde le 120, alors ça me va. Le passage à niveau, là, c'est correct. Ah, quoique là... Bon, de toute façon, peut-être qu'il faudra revoir ces passages à niveau, parce que là, on est près de l'entrée de la gare. Les trains risquent de rester dessus, ça serait quand même pas terrible. Là, on se connecte. Puis là, ça va être le même problème. Donc, pour l'instant, on va
On va laisser comme ça, mais si ça pose problème, on changera. Alors, un signal ici. Un signal à l'entrée de Martigues. Et puis entre les deux, on va mettre des signaux peut-être par là. Voilà. Et puis par ici. Voilà. Et donc on va modifier la ligne. Donc la ligne Martigues 3. Après Martigues, tu viens ici et tu retournes à Martigues. Alors il aime pas, j'ai dû oublier d'électrifier la gare de Bourg-Saint-Andéol. On va le faire maintenant. On va électrifier jusqu'au dépôt, tant qu'à faire. Voilà. Là, logiquement, la ligne devrait fonctionner. À Martigues. Alors, il va deux fois sur la voie 1. Je pense que quand il repart de Bourg-Saint-Andéol, il pourrait aller sur la voie 2. Voilà, c'est beaucoup mieux. D'accord, alors, donc ça c'est bon. Ensuite on a dit qu'on mettait des transports urbains, alors notamment à Martigues. Vu la configuration de la ville, je pense qu'on va faire peut-être du tram, parce que la ville est assez grande, hein, presque 200 habitants. Et puis pourquoi pas en ligne circulaire. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Alors, on va connecter ici. Et puis, on va équiper de voie de tram. Voilà. Et puis, les arrêts. Alors ensuite par là, par ici, là, devant la gare, dans la zone commerciale, voilà, comme ça. Et puis encore ici, et puis là. Je pense que là on est pas mal. Il va nous falloir un dépôt de tram. Est-ce qu'on peut le mettre par là, tiens? Ça, il serait près de la gare. Alors là, ça passe pas. On peut le mettre par ici. Voilà. On rajoute des voies là. Alors, nos lignes. Parce que du coup, il y aura deux lignes, une dans chaque sens. Ah, la sauvegarde automatique. Donc voilà pour Martigues, ligne 1. Ensuite, nouvelle ligne. Donc c'est exactement la même, mais dans l'autre sens. Et donc on l'appelle Martigues, ligne 2. Voilà. On va acheter des trams. Alors, peut-être cela. Ouais, on aura peut-être des compositions de deux voitures. Et puis, on va en prendre 6. Il y en a 3 pour Martigues ligne 1. Et puis 3 pour Martigues ligne 2. Voilà, donc on a des trams à Martigues.
Ensuite, Romorantin, je pense que la ville est de taille plus modeste, des bus ça ira bien. Alors, on va mettre des terminus déjà. Je pense que là, c'est un bon endroit pour un terminus. Et puis, un autre à la sortie de la ville, peut-être par là. Voilà. Et on va rajouter des arrêts pour essayer de desservir au mieux la ville. Un arrêt devant la gare, ici par exemple. Et ensuite par là. Ici. Et puis là. Ce qui nous donne une ligne comme ça. Voilà, qui va s'appeler Romorantin ligne 1. Et on achète, qu'est-ce qu'on a comme bus? On a ceux-là qui sont sympas. Allez, 3 bus. Voilà, c'est parti. Alors, ensuite, donc Dinan, j'ai déjà fait une ligne, hein, comme je le disais tout à l'heure, parce que la gare est excentrée, donc je voulais pas laisser tourner le jeu, et puis que la gare sert vraiment à rien, donc j'avais déjà fait la ligne de bus. Peut-être qu'ici on pourrait raccorder ces deux routes, puis rajouter un arrêt par là pour desservir un peu ce secteur. Le reste, je pense que pour l'instant, ça suffira. Les routes. Là. On va faire comme ça. Bâtiment. Un arrêt de bus ici. Et je reprends Dinan ligne 1. Donc, après la gare, il va s'arrêter là. Et avant d'y retourner, il s'arrête à nouveau là. Très bien. Et puis A3. Alors A3. A3, c'est une grande ville. Hein. 243 habitants. La gare est excentrée. Je mettrais bien des trams aussi. Alors, je verrais bien une boucle vers la gare. Alors, les boucles maintenant, ça doit marcher. Hein. J'ai supprimé le mode qui plantait. J'ai le mode qui fonctionne. Alors, comment on fait? On peut faire peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, je vais configurer la gare pour mettre des sorties. Ce qui permet aux gens d'accéder à la gare directement depuis la boucle du tram. Que d'ailleurs, bah peut-être qu'il y aura plusieurs lignes en fait. Donc on va faire comme ça et puis avec une voie de tram électrique. Parfait. Nickel. Alors ensuite, on va déjà placer les arrêts de tram. Comme ça on verra où on met les voies. Alors ici, peut-être c'est pas encore la peine. Ils sont proches de la gare. On va mettre là un arrêt. Ensuite ici. Peut-être là. Après peut-être qu'il faut remonter par là. J'imagine que la ville va s'agrandir. Surtout qu'il y a une route qui pousse là. On va mettre une boucle. Alors on va mettre la boucle. Comme ça, oui. Avec une voie de tram électrique. Alors, comment on fait? Comme ça.
Je sais pas si la ville aura vraiment l'occasion de se continuer par là, parce qu'après il y a cette forêt. On va peut-être l'aider en plaçant déjà une route comme ça. Et puis là, je peux pas me reconnecter. Ah mince. Ça va pas alors. Est-ce que si je fais ça, juste pas la place. Bon, ça peut être une rue étroite, hein. Pente trop inclinée, mince. Alors, je vais essayer comme ça. Je lui dis que je veux rester à plat. Voilà. Et ensuite, on part peut-être par là. Et puis par là. On va juste terraformer un petit peu. Voilà. Et puis le jeu se débrouillera avec pour prolonger la ville. Donc voilà, on va pouvoir placer les voies de tram. Je voulais juste voir un truc. Ouais, défilement des jours, je suis à x1. Je voulais être sûr de pas être à x3. Je trouvais qu'il défilait vite. Alors voilà le tracé de la ligne de tram. Et puis je pense qu'on va pouvoir faire une ligne de bus qui, elle, justement, va peut-être desservir ce quartier-là. Peut-être encore ici. Puis après, elle pourrait descendre le long de cet axe-là, avec un arrêt ici pour le centre-ville. Encore peut-être un arrêt là. Et puis, alors, est-ce que là, on arrive à tourner? Oui. On va essayer de faire un terminus là avec un terminus comme ça. Voilà. Ouais, je pense que c'est pas mal, hein. Alors, donc les lignes, on va déjà faire le tram. Voilà. À 3, à la gare, j'aimerais bien qu'ils prennent l'autre. Ça me paraît mieux qu'ils soient à l'intérieur. Je sais pas trop pourquoi, hein, j'avoue, mais... Comme ça, intuitivement, ça me paraît mieux. Et puis, une autre ligne depuis la gare qui passe par là, qui descend là, et qui fait terminus sur la pointe. Ok, donc, 3, ligne 1. 3, ligne 2. Alors il nous faut des dépôts parce qu'on n'a rien dans cette ville, donc un dépôt de tram et un dépôt de bus. Alors le dépôt de bus, on pourrait le mettre par là. Enfin, dépôt de bus, dépôt de voirie parce que ça peut faire pour les camions aussi. Alors est-ce qu'on met... On va essayer de le mettre parallèle à cette rue, même s'il n'est pas bien aligné par rapport à celle-là du coup. Et puis celui pour les trams, on pourrait se dire que du coup on le met par là. Comment on peut faire? Ou ici? Derrière la boucle.
Voilà. Alors, on est en 1920, on a débloqué un avion, apparemment. On fera peut-être des avions. Donc, achetons des trams. Alors, là, vu que c'est une grande ville, on va prendre des trams composés de 3 voitures qu'on va affecter donc sur 3 lignes 1. Et puis pour les bus, on va prendre ceux-là aussi. Et peut-être que 2 sur 3 lignes 2. Ok, bon alors nos villes sont toutes dotées de transports publics, c'est une très bonne chose. On voit que Dinan se développe. Hein. Le jeu fait pousser un peu des routes dans la ville, c'est très bien. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais faire, puisque comme vous l'avez vu quand j'ai construit la ligne, j'ai prévu que à Dinan, on ait des voies de passage sans arrêt. Que à Romorantin, on a aussi des voies de passage sans arrêt derrière la gare, qu'on les a aussi à Martigues. Alors pourquoi j'ai prévu ça? On pourrait se dire, oui, on fait aussi un train 3 Bourg-Saint-Andéol en direct pour qu'il aille plus vite. Cela dit, la ligne actuelle, pour l'instant, elle n'est pas surchargée. À mon avis, ça n'a pas forcément beaucoup de sens de faire ça. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est relier notamment 3 et puis d'autre part relier Bourg-Saint-Andéol à Harfleur, notre capitale. Harfleur, d'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'y a pas été. On avait notre siège social là, vous voyez, il s'est quand même amélioré depuis la dernière fois qu'on l'a regardé. C'était vraiment la petite cahute en pierre, là ça devient quand même quelque chose d'un peu plus respectable. Donc ce que j'aimerais faire, c'est créer une ligne qui parte d'Harfleur, qui utilise les voies qu'on a déjà, qui peut-être chante Chalette-sur-Loin, parce que le but c'est pas forcément qu'il s'y arrête. Donc à voir si on crée des voies qui permettent de se connecter là directement, ou peut-être même directement par là, je sais pas trop. Et puis ensuite faire un pont, alors à définir exactement où. Et puis on se raccorderait sur cette voie là avec un triangle qui permet d'aller soit par ici vers Bourg-Saint-Andéol, soit par là pour aller vers Troyes. Donc on va peut-être commencer par le pont, c'est ce qui me paraît être le plus compliqué. Alors pour le pont, on peut utiliser cette petite île artificielle, ou alors on peut se dire qu'on le fait par là. Mais là, ça me paraît beaucoup plus large et moins réaliste. Alors, je le ferai bien là, le pont. Alors, à voir comment on peut se raccorder à cette ligne. On va essayer. Alors, on essaye de tirer une voie comme ça. Alors. Est-ce qu'on a des ponts mieux que ça? Non, ça fait pas trop pour traverser de l'eau, en principe. Ça pas trop non plus. Ça peut faire. Ouais, ça peut être réaliste. Alors on va dire que on veut rester à plat, voire même qu'on veut lever un peu, comme ça si jamais on veut faire passer des bateaux, ça fonctionnera normalement. Ensuite on continue par là tout droit et à plat. Ouais, toujours sur un pont.
on va dire que c'est plus réaliste parce que c'est plus facile de construire un pont sur une petite île que sur la mer. Ah, il faut emprunter à nouveau. Ah non, c'est bon. Bon, de toute façon, il faudra emprunter à nouveau. Bon, toujours pas, mais... Voilà, 5 millions. Ah oui, alors ici, l'aiguille, est-ce que ça va être propre? Pas vraiment. On va peut-être faire pause, puis on va peut-être voir comment on peut refaire ça. L'idée, c'est que pour faire des aiguilles, le mieux, c'est d'être sur du plat. Donc, si là, je me mets à plat, et que j'essaye d'aller dans la bonne direction, ça donne ça. On va essayer de mettre la deuxième voie. Voilà. On va essayer de se raccorder à ça. Ah là, on ralentit 107. C'est dommage. Essayer de reprendre depuis là pour se mettre le plus en face possible. Et comme ça, je pense que là c'est pas mal. Et ensuite on se raccorde là. Ah, c'est encore pire qu'avant. Là, 104. Allez, encore un petit effort. Et là, on casse le champ. Ah, j'aime pas ça. Alors, on va se mettre jusque là. Et on va espérer que ça passe. Oui, là, c'est bon. Ok. Et donc, là, on est à plat. Qu'on pourrait faire, c'est que la voie qui vient de là, elle pourrait éventuellement essayer de passer dessous pour éviter de cisailler. Ce serait encore mieux. On va voir si on y arrive. On va peut-être encore casser là. Hein. Ouais, ça a l'air pas mal comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Là, on a un poteau au milieu, évidemment. Comme ça. On valide. Ensuite, là, une courbe à 100. Bon bah là on n'aura pas le choix que de faire du 75 pour se raccorder, mais c'est pas grave. Et ensuite il faut se raccorder de ce côté là. Alors on peut rouler à 100. Voilà, donc on aura la bifurcation à 100. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. La ligne fonctionne, nickel. Oh, je crois qu'on a une belle bifurcation là. Alors ensuite, on peut remettre play du coup, et puis on continue de ce côté. Et puis là, ça donne ça. Alors, je trouve que ça descend trop. On va faire comme ça, ouais. Ah mince. J'étais droit, je ne le suis plus.
Là, on doit être bon. Bon, on va emprunter. Hein. 7 millions. Allez. Voilà. Alors, maintenant, la question qui va se poser, c'est comment on se raccorde là? Sachant que là, on a une industrie qui va pas nous simplifier la tâche. On va peut-être déjà voir comment on fait de ce côté. Alors. Je vais peut-être juste enlever les signaux là, ça va être plus simple. Là, ça sera plus bloqué par ça. Alors ensuite là j'essaye de faire une courbe. Si je me raccorde directement. On ralentit un peu trop, mais en fait le pont, je suis peut-être pas obligé d'aller aussi loin. Là on fait au moins du 90 de long. Donc ça me va. Puis alors là, pareil, est-ce qu'on est à plat? On va regarder ce que ça donne. Ouais, les aiguilles sont correctes. Ok. Donc pour celle-là, c'est bon. Pour l'autre, ça va être une autre paire de manches avec cette usine. Hein. Peut-être que je peux tourner comme ça, passer dessous et me raccorder comme ça. Sinon, ça va être trop serré, je pense. On va essayer. Alors, on va dire que c'est une courbe à 70. Voilà. Parce que là, si je voulais me raccorder directement... Bon, quoique, ça irait au niveau des vitesses, hein. Si je me mets là. J'arrive pas à voir là. 92, ok. Ben, pourquoi pas. On a de nouveau plus d'argent. Qu'est-ce que ça donne là? Oula, c'est affreux. Le jeu, il aime pas trop faire des aiguilles sur les ponts. On va voir pour arranger ça. Peut-être que là, il faut niveler le terrain pour faire l'aiguille sur de la terre ferme. Alors, on va casser peut-être... comment on peut faire? Ça. Si je fais ça, puis que là je lui dis que je veux un talus. On fait comme ça. Ah, là, on n'avait pas du 90 avant. Comment on voit la vitesse déjà? Ouais, là, ça m'embête un peu qu'on ralentisse à ce point. Alors, il faudrait avoir encore un peu du talus plus loin.
qu'on peut partir. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Voilà. Ok. Et puis là, les aiguilles, c'est pas parfait, mais bon. Je pense que ça serait difficile de faire mieux. Et puis là, du coup, c'est plus très cohérent d'avoir des ponts. Salut. Voilà, donc on a cette bifurcation. On va adapter les signaux. Alors ici, là, là, ici, ici, là. Ici, là et là. Ok, du coup celui-ci il faut l'enlever. Et puis il faut faire les signaux là. Donc a priori il doit y en avoir là et là, en sens. Puis dans l'autre sens, il doit y en avoir un ici. Voilà, je pense que c'est bon. Donc là on a ce raccord qui va bien. On peut remettre play d'ailleurs. Et puis il faut encore raccorder là comme ça. Ou bien... peut-être même par là. Ce qui sera peut-être plus facile, qui évitera de passer au-dessus de la gare marchandise là. Comment on fait? Ouais, peut-être qu'on passe là, puis qu'on tourne comme ça. On va faire ça. Mettre une voie là. Sauvegarde automatique évidemment. Alors on a des trains en mauvais état hein. On va peut-être penser à remplacer, on verra. Alors, voilà un tronçon, ensuite il faut le raccorder. Je pense qu'au niveau de cette courbe, ça serait le bon endroit pour le faire. Peut-être quelque chose comme ça. Et ensuite, on repart d'ici. Je vais casser la route, je la referai après. Voilà, parfait. Alors, on va tout de suite refaire la route du coup. Donc c'est une route de campagne, comme ça. Est-ce que là ça va ? On va essayer de faire un passage à niveau plus correct. Alors peut-être comme ça.
comme ça. Ok. Et donc ici, il va falloir bifurquer. Alors peut-être qu'on peut même enlever un bout de voie. Voilà. Et puis on va tourner. Ouais, comme ça. Ah, on a débloqué encore des véhicules. Ça peut être intéressant. Et comment on fait ? Est-ce qu'on sera... On va déjà poser un bout de ligne droite là. Ensuite, on va peut-être juste enlever ces deux signaux temporairement. Puis on va essayer de partir de là pour aller là. Non, alors là, il faut vraiment que je fasse attention à mes aiguilles. Donc... on va rester sur du plat. Non, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Peut-être que c'est ça la pente. Ou bien si je pars de l'autre voie. Non, là je suis trop haut. Ça doit être comme ça. Ok. Et là du coup j'ai des virages dégueulasses. Du coup, on va essayer de refaire comme ça. Je sais pas si ça va aller. Bon, au moins on a du 120. La route, ça donne quoi? C'est pentu là. Hein. Ouais, on verra ce qu'on fait. Ok, et puis là, on va remettre les signaux. Donc du coup, ils sont ici et là, et puis là. Puis entre les deux, on va mettre par exemple un signal là et là de part et d'autre du passage à niveau, et puis là on va mettre carrément entre les passages à niveau, comme ça ils ont de toute façon la place de s'arrêter là ou là, et puis ici finalement ce signal là il faudrait même qu'il soit là, du coup il y en aura un là aussi. Et puis voilà. Dans l'autre sens, les signaux, en fait, ils sont là. Donc ça protège tout ce secteur. Alors, je crois qu'au niveau infrastructure, on est bon. Le raccord, là, il est fait. Donc on va créer nos deux nouvelles lignes. Harfleur jusqu'à 3. Logiquement il passe au bon endroit. C'est parfait. Alors, on va renommer la ligne Harfleur 3. Et puis une nouvelle ligne Harfleur. Alors là, vu qu'il y a plusieurs possibilités, je vais quand même lui obliger à passer par là. Ensuite, je veux vraiment qu'il prenne la 4 voies. Donc on va l'obliger à passer là. Ah
Là, ça devrait jouer normalement. Et puis Bourg Saint-Andéol. Là, il y a quelque chose, on dirait qu'il a pas aimé. On verra après. Le retour, il a l'air de le faire juste. Sauf que moi, je veux qu'il passe là. Non. Ici. Et puis là. Voilà, donc les deux lignes sont créées. On va juste aller à la gare d'Harfleur avant de lancer les trains. Parce que la gare d'Harfleur, elle a des quais qui, à mon avis, sont trop courts. Et en plus, il va nous manquer une voie pour faire partir nos deux nouvelles lignes, puisqu'on a que deux voies. Et je voudrais faire un bâtiment plus grand, donc je crois qu'on va complètement revoir la gare d'Harfleur. Je crois même qu'on va en fait la supprimer. Alors on va faire pause. Voilà. Alors, la gare. Alors on va peut-être pas exagérer à mettre ça. Ah oui, alors on est passé sur des nouveaux types de gares voyageurs. Ben on va prendre celle-là. Alors, longueur, je pense que 120 mètres ça ira. On va mettre 4 voies. Ça va rapidement être nécessaire. Hein. Pour l'instant, on a besoin de 3, mais 4 à mon avis, c'est pour bientôt. Et puis peut-être qu'on va la mettre là. Comme ça. Et là, il va falloir revoir évidemment l'entrée de la gare, ce qui va pas être évident, je vous l'accorde. Alors, partons déjà des voies de la gare, c'est ça qui va être le plus contraignant. On va faire comme ça. Peut-être qu'après il faudra voir de toute façon pour que le bout là soit en double voie. Mais pour l'instant on va laisser comme ça. Et puis le dépôt, je pense qu'il faut le déplacer. Hein. Alors un dépôt comme ça. On va certainement le mettre par ici. Bien, on pourrait le mettre genre le long de cette usine là. En essayant de faire quelque chose de correct visuellement. Voilà. Ce qui permet de sortir par là. Ou bien vers la gare. Voilà. Ça me paraît pas mal. On va mettre des signaux de sortie. Ok. Et puis si on veut configurer le bâtiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah voilà. Ah oui, j'ai un mode pour remettre les bâtiments anciens, je suis pas fait. Alors, un grand bâtiment. Ah oui, ça passe pas avec la route. Bon alors, on va remettre celui-là. Mais on va mettre des extensions. Non, peut-être pas comme ça.
comme ça et comme ça. Voilà. Comme ça, on peut dire que en fait, on a gardé le bâtiment historique, mais que on l'a un peu agrandi. Et puis au niveau de nos lignes, alors elles arrivent toutes sur le même pied, donc ça va pas. Alors celle de 3, on peut la laisser là. Celle de Bourg-Saint-Andéol, on va dire qu'on met sur la voie 2. Et puis Chalette sur Loing, on va dire sur la voie 4. Comme ça, on aura encore une place au milieu. Ok. Et donc, on peut acheter là. Ah, il faut peut-être électrifier la ligne parce qu'on va faire de l'électrique. Alors, électrifions le dépôt, les voies de la gare, et puis ces voies-là. Ouais, la gare marchandise, on peut l'électrifier aussi. Hein. C'est pas très long comme tronçon. Alors ensuite, voilà, par là c'est pas la peine d'électrifier Chalette-sur-Loing pour l'instant, et puis ici on doit juste électrifier ce petit bout là. Le reste c'est bon, ça n'a pas besoin d'être électrifié en fait, ça non plus. Ok, alors je crois qu'on est bon au niveau de l'électrification. Donc achetons les trains. Donc ici, acheter véhicule. C'est là qu'il va falloir à nouveau emprunter je pense. Hein. Je vais emprunter jusqu'à concurrence de 15 millions. J'espère que ça suffira, sinon on empruntera plus. Alors, locomotive. Est-ce qu'on remet celle-là? Elle va à la même vitesse que la crocodile. La crocodile est un peu moins puissante, mais bon, c'est du voyageur, c'est pas dramatique. Elle est aussi un peu moins chère. Effort de traction, la crocodile est un peu moins bonne. Par contre, la crocodile fait moins de bruit, mais elle est plus lourde. On va quand même mettre la crocodile parce qu'elle est moins chère et plus voyageur, je pense que ça ira bien. Et au niveau des voitures, on va peut-être prendre boîte à tonnerre parce qu'elles sont un peu plus capacitaires. Et on a droit à 120 mètres. Voilà, donc un train coûterait dans les 13 millions, il m'en faut deux. Bon! Est-ce qu'on peut emprunter jusque-là pour avoir 26 millions? Pas tout à fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever une voiture. On achète deux trains. On met le premier sur Harfleur 3. On met le deuxième sur Harfleur Bourg-Saint-Andéol. On remet play. Et on va regarder nos trains sortir. Alors celui-ci, il se dirige vers 3 en premier, donc pourquoi pas. Et je voudrais voir le deuxième, du coup, est-ce qu'il va sortir vers Harfleur, ça m'arrangerait. Non, il va aller à Bourg-Saint-Andéol aussi. Alors, est-ce qu'on peut lui dire intervertir? Non, il veut pas avoir envie. Alors lui, peut-être qu'il peut faire demi-tour. Comme ça, lui, il commence à Harfleur et l'autre, il commence de l'autre côté. Ils seront peut-être un peu mieux répartis.
Même si c'est pas la même ligne, c'est quand même des lignes qui sont plus ou moins complémentaires. On va mettre le temps en x3. Voilà, l'autre train part. Alors ici, on a 3 personnes qui veulent aller à Chalette-sur-Loing. Mais aucune qui veut aller à 3. Alors on attend d'une voie libre. Ouais, je pense qu'il va falloir penser à doubler les voies d'entrée en gare d'Harfleur parce que sinon on va être rapidement surchargé. Mettons-nous en cabine. Et on arrive en gare de Troyes. C'est parfait. Bon, alors c'est déjà pas mal pour cet épisode. Je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Comme on a loupé un épisode à cause des problèmes que j'ai eus, je pense que cette semaine, ce que je vais faire, c'est que vous aurez donc comme d'habitude l'épisode jeudi à 15h45 et il y en aura un autre samedi, je ne sais pas encore à quelle heure, mais voilà, samedi ça sera l'épisode qui remplacera celui qui n'a pas pu sortir jeudi dernier. Comme ça, on retombera sur nos pattes. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et moi, je vous dis à bientôt !